Place à présent à l'invité de la rédaction. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs. Longtemps l'apanage de seuls les États. Pour des questions de sûreté publique, les drones voient leurs utilisateurs et leurs missions se diversifier sur le continent. En Afrique francophone, par exemple, le gouvernement du Maroc, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et bien d'autres ont pris le parti de réguler l'usage de ces engins volants. Aujourd'hui, avec nous en studio, Marwan Jebar, spécialiste aéronautique, entrepreneur, et vous êtes leader pionnier de la fabrication et de l'utilisation des drones en Côte d'Ivoire. Avec vous, nous allons parler un peu des enjeux de ces appareils volants pour l'Afrique. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Alors, d'entrée de jeu, comment vous, personnellement, vous passez le cap pour vous lancer dans le drone, dans les drones, dans l'utilisation des drones? C'est quoi votre histoire? Alors, en fait, tout est parti, je dirais, d'un besoin au début, parce qu'on avait un premier projet qui consistait à faire une sorte de visite virtuelle pour des établissements touristiques en Côte d'Ivoire. Et à un certain moment, on a senti ce besoin d'avoir des vues aériennes. C'est comme ça qu'on a intégré les drones dans notre, je dirais, dans notre business model, si je peux dire les choses comme ça. Et par la suite, c'était la découverte d'une nouvelle niche, je dirais, en Côte d'Ivoire. On s'est dit pourquoi pas se lancer dans ce secteur d'activité. Et c'est comme ça qu'avec le temps, on est devenu les leaders en Côte d'Ivoire, en commençant par la réparation. Et aujourd'hui, nous sommes sur la conception des drones sur mesure. Alors, vous êtes sur la conception des drones. Rapidement, brièvement, comment vous pouvez définir un drone? C'est quoi un drone pour nous? Alors, un drone, tout simplement, c'est un engin ou un aéronef télépiloté qui peut être piloté d'une façon automatique ou manuelle, qui peut exécuter plusieurs missions à la fois, une mission, et qui peut accéder, bien sûr, à des endroits qui sont difficiles d'accès, je dirais, par l'être humain en général. Sachant que nous avons plusieurs catégories. Vous avez des drones sous-marins, vous avez des drones terrestres, des drones aériens. Alors, les drones, en général, on utilise ce terme de drone, mais normalement, c'est un aéronef. Après, on peut rentrer dans plusieurs catégories de drones. Voilà. Alors, on voit que c'est quelque chose qui est appliqué un peu partout. Quels sont les domaines ou les secteurs stratégiques où vraiment les drones, l'utilisation de drones peut rapporter un plus en Afrique? Bon, si on parle en Afrique, pour l'Afrique, je vois déjà que il y a beaucoup de secteurs d'activité qui peuvent être concernés. Je ne vois pas un seul qui pourrait être épargné, je dirais. Commençons par l'agriculture, par exemple, qui est un secteur porteur pour l'Afrique. Passons par la livraison, par exemple, des médicaments, parce qu'on sait qu'on a dans certaines zones reculées, ce qu'on appelle zones rurales en général, le drone peut facilement faire ce travail de livraison, que ce soit des vaccins, que ce soit des poches de sang, que ce soit des trousses de premier secours. En passant aussi par d'autres industries comme les mines, les carrières, comme je dirais la surveillance par exemple des stations pétrolières, comme la surveillance des frontières, pourquoi pas. Alors, je dirais tout dépend de l'imagination et du besoin. Sinon, cette technologie peut vraiment toucher beaucoup de secteurs et c'est le cas aujourd'hui justement. Et justement, on voit un boom dans l'utilisation de ces engins volants, de ces drones. Ouais. Combien à peu près coûte un drone? Alors, quand on parle d'un drone, vous avez plusieurs catégories. Vous avez la catégorie hobby ou ce qu'on appelle les drones de loisirs. Et là, c'est quelque chose qui commence de 20 euros, je dirais, jusqu'à 200 euros, par exemple. Mais quand vous rentrez dans la catégorie semi-pro, alors là, vous êtes à partir de 400, 500 euros et plus. Et vous pouvez même aller jusqu'à 30 000, 40 000, 100 000, 200 000 euros. Tout dépend de votre budget. Là, je parle de la catégorie professionnelle des drones. Et donc, ce n'est pas forcément accessible à tout le monde pour ceux qui veulent vraiment se lancer de manière professionnelle. Donc, l'utilisation des drones, c'est encore sélectif. Je dirais oui ou non, parce que pour une utilisation professionnelle, on peut toujours opter pour une catégorie semi-pro ou pro, mais avec un budget réduit. Par exemple, vous avez quelques marques qu'on trouve sur le marché. Avec 1000 euros, vous pouvez avoir un drone qui peut filmer avec une caméra haute définition 4K, qui a une certaine autonomie entre 20 et 30 minutes, qui est même équipé de détecteurs d'obstacles. Alors, il y en a pour tous les budgets, je dirais. Voilà. Mais plus on sollicite un travail beaucoup plus pointu, plus l'engin coûte beaucoup plus cher. Voilà. Donc, on voit l'utilisation des drones crée des opportunités vraiment considérables en termes d'emploi pour la jeunesse et autres, mais en termes d'opportunités aussi d'affaires. Mais au-delà de tout cela, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'opportunités, hein, ça ouvre un large horizon. Mais est-ce qu'en face, il n'y a pas des menaces? Ça ne constitue pas certaines menaces, l'utilisation de drones? On peut parler d'espionnage peut-être? Bien sûr, parce que là on parle d'une technologie qui est d'abord accessible,
je dirais heureusement et malheureusement. Heureusement pour les entrepreneurs, pour les gens qui veulent, qui souhaitent se lancer dans cette technologie. Mais malheureusement, si cette technologie se trouve entre les mains d'une personne qui n'a pas vraiment une bonne moralité, je dirais. Alors ça peut servir pour de l'espionnage, ça peut servir pour larguer des certaines substances, ça peut servir pour... On avait même vu dans le terrorisme, parfois ils ont utilisé des drones pour larguer des bombes, parfois ils ont même utilisé, j'ai entendu parler d'une histoire en France, ils ont utilisé les drones pour larguer par exemple des cigarettes ou de la drogue dans la cour de prison. Alors, d'où l'intérêt d'avoir une réglementation, justement. Alors, c'est un couteau, je dirais, à double tranchant. Voilà. Justement, on parlait en début d'émission, le Maroc, la Côte d'Ivoire, et précisément la Côte d'Ivoire, Oui. qui a mis une certaine réglementation en vigueur Oui. avec la caution et autres. Comment vous appréciez cette situation? Alors, déjà, et je l'ai dit, ce n'est pas la première fois que je vais en parler sur un plateau. Je tiens d'abord à féliciter, à saluer l'ANAC. Pour d'abord la mise en place de RACI 3009, c'est le document qui régule un petit peu l'utilisation de drones civils en Côte d'Ivoire. C'est un réel besoin, il faut réglementer et je pense qu'on est un petit peu en retard parce que d'autres pays ont pris déjà de l'avance sur ce côté. Mais ce que je déplore un petit peu, ce que je trouve un petit peu injuste, c'est le prix de la licence. On parle de 3 millions de francs CFA pour pouvoir exploiter un drone civil en Côte d'Ivoire, sachant que parfois le drone lui-même, il vous coûte 600 000 francs CFA, l'équivalent de 1 000 euros. Alors, et pour la renouveler, il faudra payer 1,5 million chaque année. Alors pour un entrepreneur qui vient de se lancer, ou pour une petite start-up, ou même quelqu'un qui travaille en freelance, ça serait vraiment difficile de faire un retour sur investissement pour ce drone. Alors moi, ce que je dis, c'est bon de réglementer. Mais ça serait bon aussi d'intégrer les privés, d'intégrer tous les acteurs qui travaillent ou qui utilisent cette technologie. Peut-être créer un débat pour d'abord connaître les besoins, pour connaître la capacité financière de ces entreprises avant de prononcer quoi que ce soit. Et aussi, en parlant de l'utilisation de ces drones, vous avez initié un projet, l'Africa Drone Valley Foundation, et Oui. vous formez des jeunes. Qu'est-ce Oui. qui a motivé ce projet? Quelles sont vos ambitions à travers ce projet? Alors, je dirais que c'est une drôle d'histoire parce que ça me rappelle, ça me fait un flashback en 2019. Là, je participais à l'époque à un programme qui s'appelait Africa for Future, qui a été lancé par Airbus et la coopération allemande. Et l'idée, c'était tout simplement de faire un pitch, de présenter Côte d'Ivoire Drone, qui est ma société à la base, devant des investisseurs potentiels. Et en analysant mon fichier PowerPoint, ma présentation, il y avait toujours, comme on dit, ce problème que j'avais tendance à jeter par la porte, mais elle revenait par la fenêtre. C'était l'absence de la main-d'œuvre qualifiée sur le marché. Alors, du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas prendre ce problème et le régler avec un autre projet? Et c'est ça qui a donné naissance à Africa Drone Valley, la première académie de formation en technologie de drone dans toute l'Afrique de l'Ouest. Alors, nous avons présenté le projet à la coopération allemande à Berlin en 2019. Après, il y avait plusieurs allers-retours pour pouvoir les convaincre. Et finalement, c'est au mois de décembre qu'on a reçu un financement pour former 25 jeunes Ivoiriens gratuitement sur cette technologie de drone. Et justement, le but, c'est de créer cette main-d'œuvre qualifiée. Et cette occasion, je tiens à remercier vraiment notre partenaire, la BMZ et la GIZ, pour leur soutien. Alors ce projet, est-ce que vous comptez l'étendre au-delà de l'Afrique de l'Ouest? Bien sûr, parce que là, on parle d'un projet pilote de 25 personnes et on l'a lancé dans le cadre d'une sorte de riposte contre le Covid-19. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur poste, il y avait des licenciements économiques malheureusement. Alors on essaie de créer ou de riposter à notre façon. Mais ça reste un projet pilote et juste après cette vague de 25 personnes, je pense qu'on va passer à 300 personnes formées et nous sommes même en pleine discussion avec notre partenaire pour pouvoir calquer, si je peux utiliser le terme, le même projet au Maroc, mon pays natal. Merci Marwan Djebba. Je rappelle que vous êtes spécialiste en aéronautique, mais aussi président de l'Africa Drone Valley Foundation. Mais vous êtes aussi le président de l'Association ivoirienne des utilisateurs de drones. Oui. Alors, avec vous, nous avons parlé un peu des usages potentiels des drones en Afrique, de leurs opportunités, mais aussi de leurs menaces. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette page de l'invité. Vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.mediantv.com. Agréable suite au programme sur nos antennes.